qui se propage. Certains langages font des ravages, comme un venin qui empoisonne et qui n'épargne personne. De nos lèvres, nous maudissons notre frère. De nos lèvres, nous glorifions notre Père. L'homme s'élève de ses propres lèvres. Faisons attention de la manière que l'on parle, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui souille tout notre corps, ce sont les mots qui en sortent, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'usage du langage est dangereux, prenant garde à ne point en faire un jeu. La calomnie touche n'importe qui et enflamme le cours de notre vie. Les sous-entendus mal intentionnés, les mots que l'on ne puisse mentionner, et ceux qui parlent du Seigneur avec la ruse dans leur cœur. Faisons attention de la manière que l'on parle, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui souille tout notre corps, ce sont les mots qui en sortent, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comme un navire de grande taille, dirigé par un tout petit gouvernail, la langue est un petit instrument qui a fait sombrer bien des monuments. Elle peut retomber sur toi comme des braises, te faire une renommée pas nous mauvaise. Elle peut flatter ou dire des mots qui déplaisent et t'enfermer pour toujours dans la fournaise. Elle est une âme qui fait couler des larmes, elle peut faire déclencher des guerres ou des drames. Le voile se lève devant toutes ses lèvres qui font du mal et blessent comme un glaive. De la manière que l'on parle, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui souille tout notre corps, ce sont les mots qui en sortent, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que l'on dit tout bas ici-bas est toujours entendu tout haut là-haut. Amen.